Bon matin, mesdames et messieurs. Très froid à Québec ce matin. Mais comme il y a du bruit dans mes immeubles, je ne peux pas enregistrer là. Je pense que je vais enregistrer pareil parce que je viens fou, là. Pas faire de vidéo, là, c'est devenu une passion. Et je viens fou quand je ne fais pas de vidéo. Parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai mis de l'énergie dans une chaîne YouTube, dans l'équipement de studio, dans des logiciels de production, de montage. Puis là, je fais pas d'argent avec ça. Pourquoi je vous parle de ça un matin, moi, vous le dire? Parce que là, je fais un pétage de coche. Comme le gars que je suis, il y a plusieurs mois. Puis je suis aveugle de vous en parler de ce gars-là, OK? C'est un Montréalais, puis il me ressemble en petit péché. Sauf que moi, je chaque pas. Je chaque pas devant la caméra. Parce que c'est pas une façon de se faire du crédit. Mais là, un matin, là, mesdames, messieurs, j'ai mon voyage. Le Québec, là, on passe pour des colons tout le tour de la planète. Voici pourquoi. Il y a deux jeunes Montréalais. Je pense qu'ils sont dans la vingtaine. Le 6 décembre, ils ont publié une vidéo. Ils ont pris un itinéraire dans la rue. Ils l'ont emmené dans un hôtel. Ils ont payé l'hôtel. Ils ont payé des repas. Un repas à l'hôtel avec des bonbons. Un repas au restaurant. Puis là, il y a des petits culs limités dans leur esprit qui n'ont pas le cerveau plus grand qu'un bois vert qui disent « Il a fait de l'argent avec ça. » Foutaise! Vous êtes dans le champ! On a le don au Québec de dire des conneries pareilles. Là, vous êtes en train de nous faire passer pour des colons par la France. Arrêtez vos commentaires tout de suite, là. C'est pas l'audoyon qui vous le demande. Parce que là, vous êtes en train de faire rire de nous autres. Ces jeunes-là, ils ont fait une chose louable. Il y a un texte, là, j'ai répondu à une couple de chialeux qui pensent qu'ils ont fait de l'argent avec ça. YouTube, à cette heure. YouTube, là, il y a un système de pub. Au Québec, j'ai à peine 50 vues. Et là, je m'en vais vers les 6-7 000 vues, là. Ça commence, là, à faire son œuvre, là. Mais on fait pas ça pour ça. Parce que j'ai 79 cents ou 80 cents de ramasser avec la pub depuis que je suis actif sur YouTube. Fait que ceux qui pensent qu'on fait de l'argent avec ça, allez vous promener, puis je vous mets mon pied au cul. Vous êtes une gang de colons, puis vous nous faites passer pour des colons. Ça prend 2 millions de vues avant de commencer à être capable de payer son loyer, puis tu peux pas laisser ta job. Faut que j'en fasse de l'argent ailleurs, parce que YouTube, tu vis meille avec ça. On fait ça parce qu'on est passionné. Moi, je fais ça parce que je suis écœuré. Je suis prêt à mourir, moi, là. Je suis prêt à quitter ce revolver de planète-là. Parce que je suis écœuré de vivre dans un monde d'innocents comme ça. Mais là, je vais vivre, je vais continuer, puis je vais m'exprimer. Puis ces colons-là, je vais être dénoncé. Voici pourquoi, madame, monsieur, voici un piteux exemple du pourquoi que je coupe les commentaires, que je filtre les commentaires. Moi, essayez pas de passer ça sur mon YouTube, des commentaires niaiseux de même, là, hein? Essayez pas ça, parce que vous passerez pas. Maudite gang de chialeux, ces deux jeunes-là ont fait quelque chose de louable. Ont fait quelque chose, ils ont été chercher des commanditaires parce qu'ils n'avaient pas possiblement la possibilité d'absorber le coût de l'hôtel à eux seuls. Les commanditaires, mettons que le coiffeur qui a fait la coupe de cheveux a fait 5-6 clients avec ça. Où est-ce qu'il y a le mal là-dedans? C'est quoi le problème quand tu fais de quoi au Québec? Tu passes pour un gars qui arnaque le monde. Tu passes pour un gars qui fait de l'argent sur le dos du monde. Il y en a un qui fait de l'argent sur le dos du monde, puis je vais en parler prochainement. Je suis en train de préparer un paquet d'affaires. Mais là, un matin, là, je me suis déplacé d'un parc à moins 22 Celsius ressenti pour vous dire ce que je pense. Parce que je suis allé sur le site de TVA cette nuit. Je suis allé sur le site d'un de ces deux jeunes-là. Je m'excuse, là, je ne veux pas généraliser. Parce que je sais que ce n'est pas tout le Québec qui est de même, heureusement. Je vais vous dire une chose, sur Facebook, là, j'ai arrêté de faire des vidéos, je n'ai fait une coupe. Ah, j'ai eu 5000 vues dans l'espace de 2 jours, quand j'ai fait mon monologue, là. 5000 vues, 2 jours. Aucune scène. Facebook, là, quand tu mets ton vidéo là, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. OK? Rentrez-vous-les dans la tête, une fois pour toutes, gang de colons. Je parle à ceux qui ont critiqué en défaveur de ce qu'ils ont fait. Je parle pas au bon monde qui félicite. Ces jeunes-là méritent d'être félicités. Ils ont fait exactement ce que Donneau suivant a fait.
Du monde disent pourquoi vous avez mis ça sur YouTube, puis vous n'aviez pas besoin de mettre ça sur. Ils n'ont pas mis ça sur YouTube, même pas, ils ont mis ça sur Facebook. Il n'y a aucune scène à faire avec ça. Je vois le verre. Vous êtes innocent d'aller penser qu'ils font de l'argent avec ça, mais vous êtes donc bien niaiseux. Vous êtes donc bien innocent. Puis vous faites passer le Québec pour des innocents. C'est pour ça que j'ai bloqué les commentaires, moi. Sur YouTube, je les ai mis sur approbation. Des commentaires de colons de même, on n'en a pas besoin. Moi, je vous dis bravo, les deux jeunes, OK? Puis quand vous parlez de même, ceux qui chialent, là, puis qui disent qu'ils ont fait de l'argent, là, ça veut dire que vous critiquez l'émission de nos suivants. Cette émission-là, ça a été une des meilleures émissions de télé-réalité. Arrêtez de penser que le monde fait de l'argent sur votre dos. Si vous ne voulez pas donner, OK, c'est libre à vous. Puis la plupart de ceux qui chialent, ils donnent rien. Ils donnent rien, là. Ils iront pas prendre un itinérant puis l'emmener à l'hôtel de même. Hein? Je vois le vert. Que vous faites pitié, puis que vous me faites honte, puis j'ai honte d'être Québécois. Je suis tanné de voir des innocents comme ça. Je vois le vert. Puis je blasphème pas, là. Je fais attention, parce qu'il y a un jeune qui blasphème à tour de bras, puis il y a une grosse cote d'écoute. Il fait pas d'argent avec ça, il y a du monde qui l'aide à payer son loyer. OK? Il y a même une vidéo sur Hydro-Québec. Il a été vu à 800 000 fois, 800 quelques mille fois, qui a été vu son vidéo par les gens de Facebook. Puis il fait payer son loyer, puis il crève de faim, puis le jeune, il enregistre avec son iPhone, comme je fais présentement. OK? Même son studio de montage, ses montages sont payables, c'est enregistré live, comme je fais à matin. Je vais commencer à en faire des vidéos de même. Parce que le studio, je cherche un local pour être capable de m'installer pour en faire. Parce que j'aime ça, je suis un passionné. Puis je m'attends pas à faire d'argent avec ça. Si je gagne ma vie avec ça, tant mieux. Mais c'est pas ça! Avant de faire une scène, ça prend 2 millions de vues. Puis encore, il faut que tu travailles. Fait qu'arrêtez donc avec vos histoires de « ils ont fait de l'argent avec ça ». Puis les commanditaires qui ont donné, généreusement, s'ils ont quelques clients en retour, où est le mal? Où est le mal? Joie le vert! On peut-tu être charitable en se faisant de la publicité un petit peu? Ces commerçants-là ont donné un peu de bonheur à un itinérant. Un 24 heures de bonheur, je pense, ou un 12 heures. Joie le vert! Batèche de Québécois à merde! C'est de valeur qu'il y a une partie du Québec qui est colon de même. Vous nous faites passer pour des épais. Vous faites passer l'ensemble du Québec pour des épais. Fermez-vous à gueule. Fermez-vous le clavier! Parce qu'on appelle ça du clavardage quand on parle avec le clavier. Fermez-vous le clavardage! Tant qu'à dire des conneries comme ça, ils n'ont pas fait d'argent avec ça. Puis je vous le dis, puis je suis garanti de ça, parce que j'en fais des vidéos. Je suis équipé, puis je fais des vidéos professionnelles, puis je ne fais pas d'argent avec ça. Pensez-vous qu'ils vont faire de l'argent avec une vidéo de même? Faites à main levée avec un cellulaire? Voyons donc, il n'y a pas une scène à faire avec ça. Réveillez-vous, gang de malades! Gang d'inconscients! Parce que c'est ça que vous êtes, en parlant de même. Faites-en des vidéos, vous n'en faites même pas. Mettez de l'argent dans le vidéo, mettez de l'argent dans la production, puis vous allez vous rendre compte que vous ne faites pas une scène avec ça. Fait que, mesdames, messieurs, j'en ai assez dit. Je m'en retourne en studio de montage. Puis je vous souhaite une bonne journée. Pardonnez ma colère, parce que c'est vrai que c'est enrageant. Puis les jeunes, Paulo Doyon, je vous lève mon chapeau. Pouce en l'air. OK? Ce que vous avez fait, c'est bien. J'en ai des larmes aux yeux. J'ai de la compassion. J'ai de la sympathie pour des choses comme ça. Mon slogan en terminant, en 2017, OK? C'est pour ça que j'ai décidé de m'accrocher à la vie. Parce que le monde a besoin de moi, je pense, pour essayer de faire un maudit changement dans le cœur de ces gens-là. Ça n'a pas d'allure. OK? Je vais vous le dire. On va exister ensemble. Ou on va mourir individuellement. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Il faut bâtir ensemble, OK? Il faut se réunir. Il faut arrêter de chialer contre ceux qui font de quoi? OK? On va exister ensemble ou on va mourir individuellement? Paulo Doyon, 2017. OK? Puis vous allez le voir écrit partout. Il y a des génériques qui vont être faits, là. Je suis en train de les faire, là. Je suis en train de travailler, je suis en train de prendre des cours. Fait que là, rappelez-vous de ça. Je vous le répète une dernière fois, puis je vous laisse une bonne journée là-dessus. On va exister ensemble ou nous mourrons individuellement.
Nouveau slogan de Polo pour 2017 qui veut faire un changement dans ce maudit monde de fou-là. Au plaisir, mesdames, messieurs.